Oh là là, tu me fais voir ton papier là? Ton droit de circuler? Qu'est-ce que tu fous ici? Eh mais c'est internet là, hein, t'as pas le droit de sortir, je te rappelle. Non, non. Donc, fais voir ton papier ou je te déco. Là, je te banne, je te kick, je te fais tous les trucs dégueulasses du net. Mercredi, c'est le jour des enfants, c'est le jour des grands aussi maintenant. Eh bah ouais, ils sont tous à la maison, putain, ils sont chiants pour les occuper tous, les grands, les petits, les vieux, les jeunes. Oh là là, c'était mieux avant, hein, quand on était au RSA, qu'on foutait rien pendant que tous ces glandus bossaient. Ouh. Monsieur K est en grande forme? Ah que oui. Vous connaissez mon talent pour gérer la connerie humaine, et cette période bah, est quelque chose comme un cadeau merveilleux pour moi en fait. Oui, parce que on indique aux gens qu'il faut plus qu'ils sortent, mais que croyez-vous qu'un hikikomori fait? Alors j'attends dans 2 jours, quand il y en a qui vont commencer à se plaindre que c'est chiant d'être enfermé, et qui vont découvrir ce que c'est la vie des gens dans l'exclusion, qui n'ont pas de thunes, qui sont pauvres, qui sont rejetés, tout ce que vous voulez. Ils vont juste le découvrir quoi, et ça va leur faire drôle. Eux qui disaient, bah, quelques jours avant, regardez-moi tous ces enfoirés qui foutent rien, les parias de la société qui nous sucent nos thunes en douce. Ah, je crois qu'on n'a pas fini de se marrer. Et tout ça avec un petit microbe, c'est génial. J'adore. Qu'est-ce que je vais streamer de beau aujourd'hui? Je vais streamer une nouveauté qui passe lundi. Alors, vous devriez pas être là, hein. Je vais ban les gens. Si c'est des gens avec des pseudos que je connais, je les kick, promis. Je vais vous faire voir Stella. Mais Stella, j'ai avancé dedans déjà, donc vous allez peut-être pas comprendre l'aventure au point où j'en suis. Et je vous répète que lundi, je vous présente Stella, donc patientez. Je stream le jeu parce que je sais pas si je vais diffuser ce truc et j'ai pas envie d'enregistrer sur mon disque dur, il y a autre chose à faire. Voilà, j'ai dit la vérité jusqu'au bout. J'ai droit maintenant d'être immonde, d'être une raclure et de voler tous les rouleaux de PQ dans les magasins? Non? Oh merde. J'aurais pourtant tenté. Allez, on file dans Stella. Est-ce que j'ai toujours la capture? Normalement, oui, il va redémarrer directos. Avec une balance bien faite de surcroît. Yum yum. Qu'est-ce que c'est que Stella? Alors, pour les gens qui ne savent pas du tout, c'est un liner, comme je les appelle. Alors les liners, c'est les jeux qui se font tout en ligne. Non, pas en ligne, sur le web. Vous avez un personnage vu de côté et ça fait que scroller et comme Inside. Exactement. Tiens, j'ai un plantage, on dirait. C'est même pas on dirait, c'est je suis sûr. Ouf, ouf. Et donc, bah, je vais continuer de meubler. Hein. Je peux faire plusieurs choses en même temps. J'ai appris. Maintenant, je suis devenu compétent. Je suis presque une femme, quoi. Et donc. Bah, le liner d'apparence a l'air super simple. Ceci dit, il y a des jeux comme Inside, et c'est vraiment la référence dans le domaine, qui ont marqué le domaine, puisque j'arrive même pas à tuer la tâche dans The Zeus. Puisque sur un concept aussi bête et basique, l'équipe de dev a réussi à sortir un jeu qui est fascinant, fascinant à plus d'un titre, parce qu'il y a déjà une ambiance dans Inside. Je vais faire un contrôle alt dead si ça coupe, c'est normal. Faut serrer les fesses. Gestionnaire de tâches. Parce que là, j'ai une grosse tâche qui m'emmerdache. Je finis de me débarrasser de Stella et on va être bon. C'est un MP4 qui me coincerait en plus. Oh non, sérieux, les gars. 2020. Alto Sketch. Je m'en fous. Voilà, laisse-moi faire mon truc. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Je laisse ça. On y retourne. Je suis désolé pour le démarrage. Le Fail the Big Game Oski, vous savez très bien que c'est sacré, quoi. Et donc, sur un concept complètement bête, j'arrive à reprendre où j'en étais quand même. D'apparence, bah, il y a un jeu qui se crée non seulement sur la réflexion, parce qu'il y a pas mal d'actions à faire et du coup, on avait fait cogiter du bulbe, et aussi sur la narration, puisque c'est totalement silencieux et on vous emmène dans des trucs complètement tordus. Alors Stella vous emmène aussi dans un univers assez tordu au début qu'on débarque, mais on se rend vite compte qu'il y a beaucoup moins de casse-tête et beaucoup plus d'action.
Alors il me remet là, le salaud. Donc le concept est simple, hein. On peut soit sauter. Merde, là j'ai raté mon saut, j'ai un gros problème, je crois. Donc une touche d'action et une touche pour manipuler des objets. Ça va mal se passer, buddy. Hurry up. Hurry up. Comment ça, le son est un peu fort? Et là, je fais quoi? Et là, je fais quoi? Et là, je fais quoi? Et là, là, et là, et là. Un je ne sais quoi. Qui me laisse. Ouh, c'est la crainte pour moi. J'aurais dû remonter. Evie, 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 Evie. Je vais peut-être baisser un peu le son de l'autre côté, ça doit gueuler. Je le ferai quand j'aurai le temps, parce que là c'est vraiment pas le bon moment. J'ai peut-être sauté un petit peu tôt, je crois. De vous remettre le son moins fort parce que ça hurlait beaucoup là quand même. Ah bah on est passé de la forêt au paysage de lave et maintenant la neige. Je pense que le prochain ce sera des cocotiers avec des palmiers et des noix de cucu partout et du sable fin et des petits coquillages pour rigoler. Ça a mieux le son là, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est du décor. Alors, où m'emmène le jeu? J'en ai absolument aucune idée. Sur la narration, ce que j'ai compris, bah, y a des bestioles de partout et mieux vaut pas leur servir de 4 heures. Le reste, c'est quelque chose que j'ai dit dans la chronique, c'est que tout ce qui arrive dans le jeu, contrairement à Inside, je m'en voulais pas de comparer sans arrêt parce que c'est vraiment le bon point de référence. C'est que tout se ressemble vraiment, quoi. Et peut-être un peu trop. Et que sur Inside, il y avait quand même une découverte et une surprise assez fabuleuse, quoi. Ouf, ok. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on avait, par exemple, vers la fin. Qu'on avait un espèce de personnage chevelu dans l'eau, qui vous poursuivait chaque fois que vous mettiez les pieds dans l'eau. Bah, c'est kiff-kiff, hein. Donc il n'y a rien d'original du coup, on peut pas être surpris par ça. Comment je vais me démerder si l'autre truc là vient me... Voilà ça. C'est loin là. Hop, lui il est prêt par contre. Il est super prêt je trouve. Hop là. Allez va-t'en. Va jouer. Va faire mémuse. Non mais m'attends pas, je ne viendrai pas. Je te le promets.
Oh, putain. Grump. Scrooge. Salut. Alors, comment je vais t'analyser? Toi, t'es loin, là, regarde. Regarde, je cours, je cours, je cours. Hop, hop. Ah non, ça ne suffira pas. Il faut attendre qu'il soit à un endroit très précis. Lequel? Lequel, lequel, lequel? Ah bah là, il est super loin, les gars. Petit pas, petit pas. Oui, vous pouvez faire la musique de Super Jamie en même temps. Alors moi, j'ai que celle de l'homme qui veut être mien. Hein. Squeak. Je m'attendais à ce que le bois bascule. Il y avait une bonne grosse feinte comme ça me semblait un peu téléphoné. Mais ils vont pas m'en laisser m'en sortir aussi facilement, c'est pas possible. Je crois qu'on va dans le temple bouddhiste qui se trouve sur ce mont. Petite pause, hein, ça fait depuis le début du jeu que je cours, j'en ai marre là. On va faire 2-3 assouplissements, c'est important. Et hop là, un bon gadin. Et encore un autre bon gadin, tiens. Alors, oh là, français. Oups, oui, non. Bah, je vais me faire empaler, je spoil le direct, c'est mieux. Yo! Non, même pas. Je la voyais grosse celle-là. D'ailleurs, il faut peut-être monter là-dessus. Et pousser ça. Presque. Tu refais la même chose sans les onomatopées et ça marche, promis juré. C'est lourd! Ouais, on la fait pas à quelqu'un qui joue au bowling, quoi. Alors, il s'est pas passé du tout ce que j'ai prévu, mais je suis très content d'être venu. Ah! Une passerelle. Une passerelle, un écroulage. Un écroulage, une passerelle. Les deux à la fois. Ah, comment ça, je pars un oeil. C'est le syndrome Jones, ça, hein. Vous ramassez une idole innocemment posée, et hop, d'un seul coup, une boule vous part aux fesses, vous savez pas pourquoi. Vous étiez juste venu pour piller un endroit, comme tout bon humain de base. J'ai un nouveau pote. Pour des heures et des heures d'amusement, ils sont même deux. Regardez-moi ça. Oh, joie! Où il va aller? Il va devenir au premier plan, il se balade, il s'est barré. Personne n'en saura rien. Oh, j'en ai un nouveau. Regardez, il est tout neuf. Ah, il y en a quatre, ah, rien que pour moi. Si ça, c'est pas la joie, je sais pas ce qu'il faut. Monte vite là-dessus. Ça sent le mécanisme. Non, le mécanisme, à pas confondre avec le cyclisme. Ah bah 2 dés et demi, c'est pas toujours évident. Ma connerie. Ma connerie, ça va servir après ça. Je peux pas bong le bong. Allez, j'en ai super envie. Ça ferait un damné noise. Si tu peux bong le bong, enfin, que diable. Ça fait du bien ça. Toute ressemblance avec Dune ou un autre truc assimilé serait purement fortuite, hein, les amis. Je saute pas. Ils sont partis pour de bon, pas pour de bon. Non, lo sé, muchacho. Allez.
S'il y a un caillou là, c'est qu'il va m'arriver une bricole. Mais oui, les vers dans Dune, ça vous a pas rappelé ça? Ah, moi, inexorablement, j'y ai pensé. J'ai fait. Oh, mais oui, mais c'est bien sûr. Saperlipopette. Oui, aïe, aïe. Hop là, petit souffle. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ici? Alors, mécanisme, un gros truc. Un moyen truc. Un autre truc qui pourrait truquer dans le bidule. Je suis pas assez haut, qu'est-ce qui se passe? Non, it's not possible. You won't do this to me, amigo. Are you aware of what is going on? Prends donc cette chose, tiens. Il y a un peu de Frogger là-dedans. Alors j'ai ça. Je peux en faire quoi? Ça c'est rouge, ça doit se cramer. Tout doit se cramer. Give me the fire. Burn! She's a witch! Burn! Burn! Non. Bon d'accord. Peut-être qu'elle flotte, on va savoir. Et là tu pourrais pas sauter là-haut. Genre là-haut. Là-haut. T'es cool toi quand tu veux. Et ça, feu. Regarde, feu, atre, atre. Non, ça c'est la guerre du feu, je confonds. Il y a une fintasse, il y a une fintasse. Je la trouverasse. Oh, mais c'était une planchasse. Eh ben, la corde brûlasse. Schrouf. Et alors là, regardez-moi ça. Les vers de dune miniature, dégoûtés par le bruit. Oui, ils écoutent que de la musique de merde. Bah, ils se sont barrés, et moi je peux passer tranquille. Je suis même pas obligé de courir, je suis sûr. Mais je vais le faire parce que on sait jamais. On les court loin, on les voit remonter là-bas. Tout au bout à où? Alors, simplicité, oui. Il y a beaucoup moins de réflexion que dans Inside, une fois de plus. Parce que dans Inside, les énigmes étaient pas ultra compliquées, mais elles étaient tellement bien posées qu'on voyait jamais du premier coup ce qui allait nous arriver. Contrairement à ce Stella qui laisse-moi finir. Zamat! Ouf! Oh, celui-là, il était millimétré. Non, non, reste là-bas, toi. Oui, contrairement à ce Stella qui est quand même relativement téléphoné en comparé. Je sais pas où je vais, mais j'y vais de bon cœur. C'est très très rigolo parce que les liners comme ça c'est une mode, ça fait inexorablement penser au Prince of Persia. À part que là, c'est quand même pas autant millimétré, il y a plus de tolérance. Et puis qu'on vous fait une vraie narration, parce que Prince of Persia, c'était oh, je sais comment faire sauter un mec, profite. Je sais comment faire croucher un mec, profite aussi, buddy. Ouais, je l'avais senti celui-là. Donc tout, on voit venir quand même d'assez loin. Petit vert, pas petit vert, ok. Pôle prêt, vert, hop là. Monte, monte, par la puissance de mon esprit, monte, je le veux. Ok, il y a une connerie plus loin. Est-ce que quoi? Je vais le mettre là-dessus, on sait jamais. J'ai pas encore vu venir le truc, mais voilà, il y a un objet, je cherche pas à comprendre. Je ne lutte pas, sinon j'aurai une bulle au cerveau. Non, ça c'est Las Vegas Parano. Mon Dieu, que de références de films dans ce stream! Alors ce qui est rigolo, c'est que le jeu pour autant est vachement joli. C'est toujours agréable, ces éclairages, ça fait son effet. Mais du coup, des fois, on se perd un petit peu dans cette 2D ennemie qui est zardeuse. Oui, surtout que le demi compte sur celui-là, contrairement à Inside qui lui était vraiment à plat, vous bougiez pas de la ligne. Là, de temps en temps, faut savoir mettre un petit coup de stick vers le fond parce que y a besoin. Chou chou. Ah, ta mère! C'est pour ça que j'ai penché le levier dans l'autre sens d'abord. Je me suis dit, je voudrais pas tomber. Mais ça, je l'ai dit intérieurement
Et ma voix intérieure atteint une puissance soudainement qui m'a surpris, je crois. Saute, fais pas semblant. Non, là, you can do it. Do it, do it again. Oh my god. Ah! Je préfère mieux les canettes finalement. Elles sont moins bêtes. Tombe pas. Quand ça descend, t'arrêtes. Crook, tu lâches tout. Et tu bouges plus. Parce que c'était la loose totale. Ding dong. Une livraison pour le 15. Ok, j'amène. Pourquoi faire? Tu vas voir. Regarde-moi bien. Oh que t'as. J'ai bien compris maintenant. Et chouips. Alors pour descendre vite, ça va être chaud chaud. Est-ce que je prends l'ascenseur? Est-ce qu'il va marcher? Je crois pas, vu qu'il a levé tout ce machin. Il va falloir que je descende au plus vite en fait. Oh putain, c'est pas gagné avec moi, je vous le dis. Allemagne. Oh, quel. Elle est pas douée, quoi. Échelle, je suis obligé, sérieux. Ils vont revenir, je sens qu'ils reviennent. On les voit là-bas au fond, au fond, au fond. Je peux sauter là? Ouais, super. C'est bien des fois quand t'abrèges un peu. Tout devient long avec toi, Stella, tu sais. Tandis qu'avec mon rhum, j'ai pas ce problème, tout est plus court. Bah oui, au bout du troisième coup d'adé, t'as tendance à plonger du nez quand même. Le sprint. Je peux pas aller plus vite là. Je crois qu'elle panique un peu. Reste zen, Stella. Pense à ton cardio. Ça gère. Ça gère. On va attendre qu'ils se barrent. Hein. Comment ça, ils vont pas se barrer? Bah, je suis sûr, rien. Ils vont avoir l'idée que je suis pas comestible en fait. Oh putain. Alors vous me direz, Monsieur K, on t'entend souvent rire dans tes streams. Oui. Et c'est pas que le jeu est drôle, c'est que la situation, on la voit bien venir, je suis comme vous, quoi. Et no bullshit, je découvre le jeu, donc forcément je peux pas deviner tout, mais on sent le truc quand même. Il y a une odeur. On peut pas le renier ça. Vas-y, calme. Monte sur la boîte, c'est mieux. Monte sur la boîte, on douille. Purée, mais purée, mais purée, mais purée, quoi. Pourquoi je la ferais tomber cette boîte? Je veux juste monter dessus. Je vois pas l'intérêt de faire tomber la boîte. D'accord, je le vois maintenant. J'étais d'une très très mauvaise foi. Oui, parfaitement. Et j'assume pleinement. Mais maintenant, je monte comment là-haut si je veux actionner quoi que ce soit? Parce que je pense que c'est un gong qui est tout là-haut. Alors, du coup, il y a un peu de réflexion. C'est bienvenu. Mais c'est pas ce qui va nous péter le crâne, je pense. J'ai pas le choix, je descends. Le gong. It will gong another day. Another day, my friend. Qu'est-ce que quoi? Oh non, je vais pouvoir changer de direction, je vais aller dans le fond. Dites-moi pas ça, c'est un liner, les gars. Je serais trop déçu. Non, ça va, je vais tout droit, toujours. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit jeu de caméra sur le stick droit. Pour qu'on puisse observer un petit peu plus la scène en scrollant un petit poil. Mais oui, c'est cette mode des jeux, les liners, quoi, c'est très rigolo. C'est souvent très bien fait, c'est ça qui est appréciable. Et on s'y ennuie beaucoup moins que ce qu'on imagine. J'en suis le premier surpris, hein, j'avoue. Où est-ce que je vais? On va rejouer au professeur Jones. Je sens que je vais pas aimer. Je sens qu'il faut que je monte là-haut. Je sens qu'il y a une caisse. Oui, quand il y a une caisse, en général, ça se sent. N'allez pas extrapoler des choses tordues dans vos esprits qui ne le sont pas moins. Et voilà, au nom de la 2D et demi. Alors, qu'est-ce que ça va être ce truc?
parce qu'il a l'air pas super content le gars en dessous. Salut! Je crois qu'il vient droit sur moi. Oh, c'était limite limite, bonhomme. Reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut. Tu sais pas pourquoi, mais reste là-haut. Si tu peux monter là-dessus, c'est qu'il y a une bonne raison, une très bonne raison. Comment ça, y a aucune raison? Non, non, mais je vais prendre cette caisse, qu'est-ce que tu crois, gars? Elle est à moi, c'est la mienne. Il veut plus que je la prenne, du coup. Non, t'as fait un parcours en caisse, ça suffit, va-t'en. Va plus loin. Attention aux bébêtes! Alors, c'est un des rares jeux qui vous donne les messages d'information après l'événement à signaler. Ce qui est peut-être pas très gentil. Un allié ne ferait pas ça. Mandoline? Je peux sauter après les échelles ou c'est un fail encore? Merci, c'est gentil de vouloir marcher parfois. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux encore grimper là-haut. Et ça sert là. Et il y a un buddy là. Et il y a un. Comment on va l'appeler ce truc? Enfin, je pense pas que ce soit un truc sympatoche, quoi. Et du coup, j'ai une idée. Oui, bah tout le monde a compris la même idée. Truc pas sympatoche, donc cage. Plus gros babu, pas sympatoche du tout. Libre? Ouais. On va s'arranger. You! Charles-Édouard! Charles! Viens voir ça. Regarde-moi ça si c'est pas extraordinaire ce qu'on fait aujourd'hui avec la technologie et les animaux sauvages. J'ai mis un peu du temps à le déverrouiller. Hein. Mais il va quand même se faire bouffer. Oui, prévisible. Le jeu est prévisible, hein, j'insiste. Et c'est vraiment le seul gros reproche que je me permets de lui faire. Parce que la même chose, amenée plus subtilement, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Genre qu'on vous mette un petit peu plus dans un moment de panique, c'est-à-dire que les choses se dessinent devant vous vraiment à la dernière minute. Ou alors elles sont assez tordues pour qu'on les présente de la manière à ce que vous ne les interprétiez pas du premier coup, quoi. Du coup, je sais pas si je vais le passer ce stream en chronique. Parce qu'on en est à combien de minutes là? 28. Allez savoir, qu'est-ce que c'est ça? C'est pour faire les. Pour faire le. Pour la. Ah bah non, c'est Little Machin. Le petit bonhomme à l'impaire jaune, ça y est, on a changé de jeu. Oh, je suis médisant. Oh putain. Attends, il y a un truc à faire là. Non, c'est mort. C'est mort. T'es mort, t'es mort, t'es mort. T'es mort. N'insiste pas. Ça y est, j'ai vu le truc, j'ai vu le truc, j'ai vu le truc. Ça là. Tu vas le mettre là. Tranquille. Tu vas ouvrir ta porte. Tranquille aussi. Une fois que tu vas commencer à l'ouvrir, là, tu auras le droit de commencer à stresser. Ready? Go. Go. Tranquille, tranquille. Tiens, hop, voilà. Qu'est-ce qui va m'arriver? What will happen? Je suis caché. Je suis super bien caché. Puis là, ça va se remettre à bouger dans l'autre sens. Je vais être super dans la merde. Il revient pas? Sûr? Non, parce que j'ai pas envie, moi. Je me suis pas donné toute cette peine pour me faire massacrer sur une connerie. Pousse ça. Mais pousse, espèce de tanche. Pousse encore. Ça monte pas, ça. Why does the tough. Il m'a pas attendu. Et maintenant, je vais avoir l'air d'un con, quoi. C'est pas possible. Pourquoi moi? Why? Mais c'est une échelle, ça. Oh, t'as trop d'émotions. Trop, trop d'émotions. En fait, j'ai déclenché ce qui me servirait après.
Regarde là, l'autre là-bas qui, je sais pas quoi, mais on veut pas savoir en fait. Ah, il manque peut-être d'ambiance musicale, parce que je sais pas si ces grands vides font vraiment de la tension. Moi, ils me font plus l'effet d'un grand vide surtout. Oh, les checkpoints sont super fréquents, ça aussi, ils auraient pu être un peu plus radins en fait. Je râle pas, hein, je constate, c'est tout. Attention aux scarabées encore. Non, c'est fini les scarabées, y en a plus. Cru? Cru? Vas-y. Il calcule rien. Il est hypnotisé par la créature là-bas et ce levier va forcément. Oh purée non. J'ai un bout d'idée mais je sens que ça va pas fonctionner. C'était très culotté, j'avoue, mais et le but, c'est que ça ait fonctionné, hein. On va pas chercher plus compliqué. Qu'est-ce que. Bon machin. Ok, et ça va faire tomber quelque chose qui fera quelque chose. Ou mieux. Si affinité. C'est tout? Attends, j'ai le crochet là. Il doit y avoir un autre mécanisme. Bah oui, il y a un autre crochet là-bas. Ça. T'inquiète, j'ai tout arraché, ça va bien se passer. Non, c'était très mauvaise idée. Donc tu fais ça. Tu remets ce que c'était. Voilà. Tu remontes ton crochet. Et tu vas vite actionner ça. Vite, mais alors vite quoi. Pas juste vite. Et là tu vas à la pêche. Petit. Non. Non, l'autre. Voilà ça. Et là tu ramènes. Et ça va faire un purée de jboing. Non? Ça s'est entendu ma déception? Vraiment? Alors attends, j'ai attrapé ça. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Là, il a pris dans les dents. C'est quoi l'autre option? Ah mais il n'y a pas d'autre option. Mine. Faut tuer la boîte en fait. J'avais pas vu la boîte. J'arrive pas à bouger la boîte comme il faut. Je suis dans l'âme. Blutch. J'étais bien dedans. Alors attends, on va répéter là parce que la boîte, il y a un problème. Pourquoi je peux pas la pousser plus loin que ça? Why am I stuck with this box, man? Est-ce que je peux monter ailleurs, là? Certainly. Ok. Il y a des petits soucis dans le jeu. Pouf, on l'a refait.
Je suis cassé, regarde, je suis la cassitude. Je peux même passer par-dessus du coup. Je tente le saut? Oui, ça va se tenter, je pense. De toute façon, j'attends pour rien, l'autre va voir qu'il n'y a rien à voir. Quoi? Non, 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 c'était pour voir. Est-ce que je pourrais descendre là-dessus, des fois? Yes, you can. Oh, mais saute quand on dit de sauter, andouille! Je sais pas ce qui lui arrive à lui, mais je sais pas, je suis pas chaud pour communiquer en fait avec ces créatures-là parce que je me dis que peut-être que en fait voilà, c'est ce que je me disais. Et donc il faudrait peut-être trouver un autre moyen de passer. J'ai une échelle, j'ai ce truc qui va me ramener là-haut, que fais-je, rien à foutre. J'ai ça. Et alors, il regarde sa boîte. Et je voudrais pas être défaitiste, mais on n'est pas arrivé, les amis, hein, parce que. En plus, on voit très très mal quand il regarde en direction de la boîte et quand il se retourne vers le fond. Si tant est qu'il se retourne vers le fond, je sais pas. Je le sens pas, ça va faire la même connerie. Là, je pourrais passer par exemple, je pense. Et plus maintenant. Il y a une embrouille comme ça. C'est l'espoir, hein. Bon, si vous avez compris comment on passe, hein, 3615, 3615 code Monsieur K, vous m'envoyez une suggestion et je la fais pour vous. Et j'ai pas l'intention de m'éterniser. Alors oui, je continue à le dire. Ce jeu est. Elle regarde en face. Donc il y a un truc avec ce toyau, ce truc glissant là, ça se voit. Mais moi d'ici, je peux rien faire. Je suis comme un. Alors peut-être l'échelle en la basculant, je sais pas. Oh putain, j'ai failli me faire un gadin. Non, on peut rien faire sur l'échelle. On peut monter, descendre. C'est le principe de base d'une échelle d'ailleurs. Si je le fais venir vers moi, genre ouh, 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 gougou. Bah non, gougou, DMC. J'essaye un dernier coup et sinon je vous invite à aller au 3615 code Monsieur K. Et envoyez vos suggestions et je ferai avec plaisir l'action que vous me demandez de faire. Sauf la vaisselle. Que ce soit clair. Non, 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 non. Don't be such an idiot. Tu peux courir. Enfin, tu peux courir, tu peux. Hein? Il va te sauter dessus de toute manière. Je vais essayer de passer, hein, malgré tout. Je vais le laisser sauter, mais je ne pige pas du tout là. Y a un truc qui doit pas être sur le tableau que j'ai pas actionné, je ne comprends pas. Allez, je lui fonce dessus. Bouh! Vilain, vilain! Les amis, à tout bientôt. Si jamais je publie sur YouTube, et bien entendu, vous n'échapperez pas. Regardez-moi ça. Juste là, sur le mur en bois. Oui, la playlist généraliste. Et juste en dessous, la playlist des shmups. Et sur le perso qui va sauter là, juste au-dessus. L'abonnement. Comment ça, t'es pas encore abonné? Tu veux que je vienne chez toi? Te filer mon virus? Alors tu t'abonnes et que ça saute. A plus.